Au casting, Céline Sage, 39 ans, joueuse du Royanvaux Atlantique Football Club et figurante sur le film Comme des garçons. Elle en garde un souvenir amusé. Au tout départ, donc, on nous a présenté bien sûr tout le monde. Ensuite, nous sommes allés faire les essayages au niveau des costumes, au niveau maquillage également, coiffure. Puisqu'à cette époque, il n'y avait pas ni de mèches, ni... donc il fallait vraiment que les cheveux soient vraiment de la bonne couleur. Avec son architecture des années 60, le stade de Royan fait partie des lieux de tournage pour coller à l'époque du film. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein ? Comme des garçons, raconte l'histoire vraie des filles de Reims, la première équipe féminine de football de France en 69. Alors, c'est qui les gonzesses ? Pas facile, dans une période où le sexisme règne. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire quand on joue au foot ? C'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqué derrière vos bureaux ? Je ne pensais pas que c'était... Le monde était aussi macho dans le film, car les hommes n'y croient vraiment, vraiment, vraiment pas. Des filles jouent au football, c'est vraiment inconcevable. Par contre, quand on voit l'évolution maintenant, on se dit tout le monde a sa place. Aujourd'hui, plus besoin de se battre pour chausser les crampons. À Saujon, le club a ouvert cette année une école féminine avec une quarantaine de joueuses. Mais les préjugés sont toujours là. On est des filles, donc on joue moins bien que les garçons. C'est ça. On a un moins bon niveau. Et puis, ah, tu fais du foot, mais pourtant t'es une fille. C'est pas parce qu'on est des filles que... Voilà. Tous les sports sont faits pour les filles et les garçons. Il n'y a pas forcément un sexe qui doit faire un sport. Plus de choses qu'un autre. C'est... On est tous égaux, donc on a le droit de faire le sport qu'on veut. Oui. Presque 50 ans plus tard, les filles ont prouvé qu'elles pouvaient jouer comme des garçons et parfois même mieux qu'eux.